Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire des petits gâteaux de fondant au chocolat. Tout d'abord, nous vous dirons quel outil utiliser pour faire les petits gâteaux. Vous aurez besoin d'une tasse à mesure, un fouet, un grand bol et un plat en lente au feu. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un mélange à gâteau Betty Crocker fondant au chocolat, une et un quart de tasse d'eau, une demi-tasse d'huile légumes et 3 œufs. Pour un métal brûlant ou pan de verre, fais chauffer le four à 350 degrés. Si vous avez un moule fond ou un tissu, fais chauffer le four à 325 degrés. Dans le grand bol, mettre dans le mélange à gâteau, l'eau, l'huile et les œufs. Mélangez avec un fouet jusqu'à ce que mélangez sweetly. Grasser la poêle de cuisson ou vous pouvez utiliser des doublures de petits gâteaux. Mettre le mélange dans la poêle de cuisson ou la doublure de petits gâteaux et mettez-les dans le four. Faire cuire le petit gâteau pendant 30 à 35 minutes. Pour vérifier si il utilisez un cordon et insérez-les dans le centre. Ici, elles sont nettoyées, alors c'est fait. Attendre que le petit gâteau refroidisse avant de mettre le glaçage sur eau. Maintenant, nous allons faire le glaçage. Pour cela, vous aurez besoin de 2 tasses de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de lait et une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Ferrez de 2 tasses de sucre. Coupez 2 cuillères à soupe de beurre. Versez 2 cuillères à soupe de lait. Versez la moitié d'une cuillère à café d'extrait de vanille. Mélangez tous les ingrédients ensemble et battre jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Maintenant, vous pouvez galer les petits gâteaux et les manger. Bon appétit!